Jérôme Blavette, on avait vu Fiesta du Belvert prendre une belle deuxième place dans un quintet au mois de décembre. Que doit-on penser de sa personne de course? Bien. Donc, faut pas hésiter, quoi. Septième place, dernièrement, comporte quelques petites excuses? Non, pas des excuses. À trouver un petit peu loin, pas trop de train. Obligé de venir faire le dernier kilomètre, c'est pas quand même trop son sport, surtout sur la grande piste. Bon, là, c'est un engagement très correct. Ouais, que des femelles. Donc c'est bien, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, faut la reprendre, faut qu'elle confirme sa seconde place, quoi. On est encore un petit peu entre le chaud et le froid, on sait pas trop comment la juger encore pour le moment. Faut qu'elle confirme. Mais là, vous la mettez dans la même configuration, plaqué devant et DP. Ouais, bah ça lui convient bien là. Donc on réédite, hein. Faut qu'elle nous refasse confiance, qu'on lui refasse confiance au moins. Et puis voilà, bon, on va attendre, hein, surtout la piste plate. Vous ne la sentez pas spécialement au top à l'entraînement? Si, là je mouille très bien. Là je mouille très bien, mais je vous dis, alors, en course, il faut qu'elle confirme, qu'elle nous rassure pleinement, qu'elle réédite sa seconde place. Oui, parce qu'elle avait été bonne et forte, elle était partie de loin, c'est pas dans ses habitudes. Ouais, c'est ce qui nous avait surpris, donc c'était vraiment une très belle course, très bonne perf. Et voilà, c'est dans ce sens-là qu'elle a besoin de nous rassurer. Bon, là, avec un petit parcours, elle peut tout à fait terminer dans les 5, hein, Jérôme? Ou sans perdre plus chaud que ça? Bah, c'est cette 7ème place qui m'a refroidi un peu, honnêtement. Donc, maintenant, on travaille surtout pour atteindre Enghien, la piste plate. Après, si elle se retrouve aux avant-postes, elle peut bien finir. Hein. Elle peut être là.